t'adorer, Jésus, t'adorer, t'adorer, ô Seigneur, mon désir est de t'aimer, t'adorer. Je veux t'adorer ce matin, t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, t'adorer. De t'aimer, t'adorer, 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 ô Seigneur, mon désir est de t'aimer, t'adorer. Je veux fermer les yeux et adorer, adorer, adorer. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, t'adorer. Nous voulons adorer, ô Seigneur, le
Pas quel état d'esprit a mon frère, mais moi Seigneur, ce matin je veux t'adorer, ce matin je veux te louer, ce matin je veux faire monter vers toi un parfum de bonne odeur. Je veux t'adorer de tout mon cœur, je reconnais que tu es Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon roi, et sans toi je ne suis rien. Je veux célébrer ton nom, je veux célébrer ton saint nom. Je veux me rappeler de tes bienfaits à mon égard. Oui, tu es bon. Mon désir, c'est de t'aimer. De louer, de louer, de louer. Mon désir. Désir est de t'aimer, de louer. Mon désir est de t'aimer, de louer. Je suis sincère, sincère. Mon désir est de t'aimer, de louer. Quelqu'un qui ne fait pas semblant, Seigneur, ce matin. Yeah.
Je parle à quelqu'un qui cherche le cœur de Dieu. Peux-tu lui dire ce matin mon désir? Je parle à un adorateur. Je ne parle pas à quelqu'un qui est venu à l'église pour venir à l'église. Je parle à quelqu'un qui cherche à connecter au cœur de Dieu ce matin. Alors si c'est toi, ensemble disons t'adorer. Désirer de t'aimer, t'adorer, oh Seigneur. De t'aimer, t'adorer. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Oh, dedans de moi, mon désir.
de t'aimer, t'adorer. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Mon désir est de t'aimer, Nakataya. Mon désir, c'est mon désir, t'adorer, dans cette atmosphère, adore. Adorons-le, sans rien revendiquer, sans apporter aucune requête. Adorons-le. Ah, Oshi, magnifique, glorieux, merveilleux, tu es Dieu, tu es beau. Est bon, compatissant, lent à la colère, miséricordieux, tu es Dieu. Nous voulons faire monter vers toi un parfum. Vers toi. Nous voulons faire monter un parfum vers ta sainteté, un parfum. Nous voulons faire monter parfum. Cette adoration est un parfum. Oh, nous voulons faire monter un parfum. Bonne odeur, nous faisons monter parfum. C'est l'adoration de ton peuple. Nous faisons monter un parfum. Nous faisons monter. Un parfum, notre adoration est un parfum.
Eshimalaka. Personne n'est comme toi, grand roi des rois, roi de l'univers. Ton nom est précieux, ton nom est glorieux, ton nom est notre salut, notre bannière. Élevons nos voix ensemble. Élevons nos voix dans un élan d'adoration ce matin. Élevons nos voix. Adorons-le encore une fois. Adorer, c'est exalter. Adorer, c'est magnifier. Adorer, c'est glorifier. Alors adorons. Si ton voisin n'adore pas, alors ton voisin n'est pas un exemple. Si ton voisin n'adore pas, mon frère, là où tu es, toi, adore. Ferme les yeux, ne regarde pas autour de toi. On n'adore pas les yeux ouverts. Ferme les yeux. Les yeux ouverts, ça va te distraire. Ferme les yeux et concentre-toi sur le parfum que tu veux offrir à Dieu ce matin. Je t'adore. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Magnifique, tu es magnifique, glorieux. Tu es sage, tu es avec moi, tu es mon soutien. Tu es ma forteresse, tu es mon bouclier, tu es mon protecteur. Tu es mon Dieu, tu es mon Père. Je t'adorerai tant que je vivrai. Tu me soutiens, tu me gardes, tu me connectes à ma destinée. Je suis à toi, je t'appartiens. Tu es l'essence de ma vie, tu es l'essence de ma vie. Tu es mon moteur, tu es ma raison de vivre. Tu es mon présent, tu es mon futur. Sans toi je ne suis rien et je le reconnais. Sans toi je ne peux rien. Il faut que mes pensées soient comme tes pensées. Il faut que ce qui fait battre ton cœur fasse également battre mon cœur. Il faut que tes projets deviennent mes projets. Je t'adore. Tout ce que j'ai, je te le donne. Ce que je suis, je te le donne. Ma maison, mon foyer, mon mariage, mes enfants. Je te donne tout. Je te donne tout. Tu es l'auteur de ma foi. Tu es l'auteur de ma vie. C'est toi qui me donne de respirer, c'est toi qui me donne d'avancer. Sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. Je le reconnais volontiers, tu es le grand Dieu de gloire. Ka
Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement devant toi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, oh. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Me voici, me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes yeux. Na 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 na
Je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Oh oui, Père, je me livre totalement. Ma vie. Ma vie n'est plus à moi. C'est vrai. Elle t'appartient, Seigneur. Je suis à toi. Père, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oui. Je suis à toi, tu es le seul Dieu, tu es mon Seigneur. Assis sur le toit, tu es.
from before time began. You are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began. You are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began. You are on your throne. You are God alone. You are God alone.
quand il règne, il y a de l'espoir pour toi. Quand il règne, il y a de l'espoir pour toi. Hey, hey. Shamakata nerebo. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. En me regardant, les autres peuvent penser que c'est de l'arrogance, mais non, je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Je confesse ce que tu confesses. Ce que tu n'as pas dit de moi, je ne le dis pas sur ma vie. Mais ce que tu as dit de moi, je le confesse. Et même si les yeux physiques ne peuvent pas encore voir ce que je confesse, je continue à confesser. Parce que je confesse la vérité. Le monde a voulu m'écraser. Le monde a dit que je n'étais rien, que j'étais un vaurien. Mais toi, tu as dit que je suis la prunelle de tes yeux. Toi, tu as dit que je suis une créature si merveilleuse. Toi, tu as dit que j'ai un potentiel. Toi, tu as dit que je suis guéri. Tu as dit que je suis prospère. Alors je confesse la guérison. Je confesse la prospérité à tous égards dans ma vie. Je confesse ce que Dieu confesse. Ce que Dieu dit de moi, c'est ce que je dis de moi. Ce que le monde dit de moi, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Tu dois accepter ce que Dieu dit de toi. Et ce que Dieu dit de toi, tu dois le répéter. Tu dois le répéter. Qui es-tu? Qui es-tu? Je veux te défier ce matin. Je veux voir. Je veux défier ta foi. Je te pose une question, mon frère, ma soeur. Qui es-tu? Qui es-tu? Réponds-moi par la foi. Qui es-tu? Qui es-tu? Que possèdes-tu? Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Qu'est-ce que Dieu dit que tu possèdes? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qui es-tu? Qui es-tu? Que possèdes-tu? Réponds! Réponds à la vie! Réponds, parle à la vie! Parle à la vie! Parle à la montagne! Parle, parle! Dis-lui ce que Dieu dit que tu es! Dis-lui ce que Dieu dit que tu es! Ne laisse pas les autres... Ne laisse pas les autres saturer l'atmosphère avec des paroles négatives à ton sujet. Ne laisse pas les autres saturer l'atmosphère avec des paroles négatives. Sature l'atmosphère avec ce que Dieu dit que tu es. Si ton voisin ne veut pas parler, laisse ton voisin tranquille. S'il ne veut pas changer, c'est pas grave. Mais toi, laisse le Seigneur transformer ta vie. Et ça commence par la parole. Si tu vois les ténèbres, si tu vois les ténèbres, toi tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis c'est la douleur? Tu dis c'est la galère? Ou bien est-ce que tu dis que c'est la gloire? Que dis-tu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il a dit que tu étais malade? Ou il a dit qu'il t'a donné la guérison? Qui dis-tu que tu es? Je suis béni. Je suis prospère, je suis guéri et j'avance de gloire en gloire. Il me soutient, je suis béni, je suis prospère, moi je suis béni. Je suis prospère, guéri, je suis guéri, restauré. Je suis guéri, je le confesse, je le dis. Je suis guéri.
si c'est ta vie, alors acclame, acclame, acclame encore. Acclame encore, acclame encore. Ave motata. Shamakataya. Ah, merci Seigneur. Merci Père. Seigneur, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence parce que c'est ta présence qui fait toute la différence. Tu viens par ta présence et lorsque ta présence est là, tu libères ta parole. Et lorsque ta parole est libérée, il y a une puissance de libération qui est également libérée. Seigneur, merci encore de ce que tu as tiré nos pas jusque dans cet endroit. Nous sommes venus une nouvelle fois répondre à cette sainte invitation que tu nous fais chaque dimanche. Merci Seigneur. Nous nous sentons privilégiés, favorisés et honorés d'être dans ta présence. Reçois encore favorablement l'expression de notre gratitude, l'expression de notre reconnaissance qui se manifeste par des cris de joie, par toutes sortes d'actions de grâce ce matin, en l'honneur de ton nom. Merci. Père, nous t'avons ainsi prié dans le nom le plus beau, dans le nom le plus excellent, dans le nom qui fait toute la différence, dans le nom de Jésus, le Christ ressuscité. Que quelqu'un dise un bon Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur avant de prendre place. Acclamons, acclamons, acclamons. Alléluia. Ah. Oh, que quelqu'un dise encore un bon Amen. Amen, amen, amen. Tourne-toi vers un voisin, tourne-toi vers un voisin et donne-lui une bonne parole, une parole d'encouragement qui vient du plus profond de ton cœur. Donne-lui une bonne parole. Alléluia. Voilà, je vous invite à prendre place. Bien-aimés, encore une fois, nous sommes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Amen. Alléluia. Moi, je sens qu'il y a un voisin qui doit encore être encouragé, tu vois. Il y a un autre voisin là. Pas celui qui est à côté de toi, mais quelqu'un qui a... Tu vois, il y a un voisin qui t'empêche de le voir. C'est ce voisin-là que tu dois encourager. Encourage-le, s'il te plaît, encourage-le. Prends quelques instants pour l'encourager. Dis-lui, je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Il n'a pas dit son dernier mot. Tant qu'il n'a pas sifflé la fin du match, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. L'avantage, c'est que vous savez... La Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais en même temps, on est ses enfants. Ah oui, oui. Dieu ne fait pas de favoritisme, mais en même temps, on est ses enfants. C'est-à-dire que quand tu es sur le terrain de la vie, quand tu es sur le terrain du match de ta vie, comprends une chose, c'est que l'arbitre, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, lui, il rajoute les prolongations tant qu'il veut. C'est-à-dire que même si tu es mené 10 à 0, tant qu'il n'a pas sifflé, mon ami, continue à jouer. Même si tu es mené 20 à 0, c'est pas grave. Même si c'est 20 à 0, toi, continue à jouer. Continue à jouer. Même si c'est 30 à 0, tu te dis c'est impossible. Tant qu'il n'a pas sifflé. Tant qu'il n'a pas sifflé. T'inquiète pas. Alléluia. Amen. Dis à un voisin, nous allons y arriver. En tout cas, dis-lui, moi je ne sais pas pour toi, mais moi je veux y arriver. Hein? Mais j'aimerais que tu y arrives aussi, c'est mieux, c'est mieux. Amen. Voilà, pouvons-nous acclamer le Seigneur encore une fois? Merci Père. Amen. Ok. Alors, je vais demander le concours de quelqu'un, puisque ceux qui sont supposés le faire ne le font pas. S'il vous plaît, prochainement, quand vous arrivez, si vous arrivez un peu tôt à l'église, vérifiez que tout est en ordre sur l'estrade, s'il vous plaît. Comme ceux qui doivent le faire ne le font pas, s'il vous plaît, vous, venez vérifier que tout est en ordre. Amen. Voilà. Tant donné que ça n'a pas été fait, je vais le faire. Tu peux acclamer le Seigneur pendant que je le fais. Amen. Dis à ton voisin, mais en fait, pourquoi tu fais rien, toi, à l'église? Tu vois, on a besoin de toi. En plus, toi, tu ferais ça à la perfection. Tu ne serais pas négligent comme... Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise merci, Seigneur.
cas, nous bénissons le Seigneur, vraiment encore une fois pour la superbe conférence, la première édition de la conférence des femmes à Bruxelles. Amen. Pouvons-nous acclamer le Seigneur encore pour ces merveilleux moments. Voilà, nous, il y a quelques hommes qui étaient là aussi dans la salle pendant les sessions. Nous, on a plus connecté dimanche, mais en même temps, il y avait d'autres frères comme moi qui travaillons dans les coulisses. Amen. Donc, on était aussi impactés et vraiment, nous bénissons le Seigneur. Ça a été 5 jours particuliers et nous croyons que ce que Dieu a déversé dans les vies a déjà commencé à porter du fruit. Amen. Pouvons-nous encore acclamer le Seigneur? Vous savez, ce n'était pas une chose facile à mettre en œuvre. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ma femme qui s'est battue contre vent et marée. Ouh là là, elle s'est battue. Et quand je vois le résultat, je dis waouh. Je dis waouh. Merci Seigneur. Nous voulons également bénir le Seigneur pour les 24 heures de prière que nous avons eues, de jeudi soir jusqu'à vendredi soir. Amen. Alléluia. Voilà, je ne sais pas où tu étais, toi, mais nous, on était là. Voilà. On était là, et le Saint-Esprit aussi était là. Amen. Et il faut savoir apprécier ce genre de moments. Ce sont des moments importants dans la vie d'une église. Ce sont des moments où l'on voit qui est qui. Oui, c'est là qu'on voit qui est qui. Il y a des gens qui disent « j'aime Dieu », et il y a des gens qui démontrent qu'ils aiment Dieu. Amen. Voilà. En tout cas, que tu aies été là ou pas, nous, on a prié, on a intercédé. Et donc, bon, ça va, tu es couvert. Mais on n'a pas la même couverture, parce que nous, on était là. Quelqu'un me suit? Alléluia. Pouvons-nous encore acclamer le Seigneur? On ne se lassera jamais d'acclamer le Seigneur. Il a été au rendez-vous et beaucoup de choses se sont faites. Et nous croyons que nous en verrons les fruits glorieux dans les prochains jours. Amen. Voilà. Je vais également vous annoncer que dimanche prochain, nous aurons un invité surprise. Que quelqu'un dise, c'est une surprise. Et je sais que vous l'appréciez beaucoup. Voilà, c'est une surprise. Voilà. Qui dit surprise, c'est une surprise. Il y en a qui veulent, quand on dit surprise, c'est qui? Mais on t'a dit, c'est une surprise. Hein? C'est une surprise. Amen. Alléluia. Et comme ça, je me reposerai aussi. C'est bien d'avoir des surprises. Autre chose, je confirme que demain et mardi soir, nous aurons donc les deuxièmes soirées, des doubles soirées de planification budgétaire. Que quelqu'un dise amen. Voilà, donc nous étions une centaine, il y avait une centaine de frères et sœurs qui se sont déplacés pour commencer le cycle du lundi et le cycle du mardi. Et voilà, bon, je ne sais pas où tu étais, toi. Hein? Je ne sais pas où tu étais. Hein? Ce qui m'épate, c'est que bon, peut-être pas toi, mais ton voisin, tu vois. Tu galères. Tu sais que tu galères. Hein? Tu galères et tu ne discernes même pas quand le Seigneur te visite. Tu galères. Donc Dieu permet qu'il y ait un programme pour t'aider, mais vraiment pour t'aider. Mais tu ne discernes pas ça. C'est dommage. C'est dommage pour toi. En tout cas, nous qui étions là, nos yeux se sont ouverts. Que quelqu'un dise amen. Si tu étais là, dis-moi amen. On était une centaine. Sur les deux soirées, on était une centaine. Les écailles sont tombées. Hein? Il y a des choses simples. Quand tu les mets en place, ce sont simplement la mise en place de principes bibliques. Alléluia. Quand tu les mets en place, ça change complètement ta vie. Complètement. Mais après, on sait aussi que la vie est une succession de choix et de décisions. Donc, en fait, bon, je l'ai déjà dit, mais je le redis encore, tu vis la qualité de vie que tu as choisi de vivre. Ce n'est pas la peine de dire, non, je n'ai pas choisi ça. Si tu as choisi ça, par tes choix et par tes décisions, tu as choisi la qualité de vie que tu as. Donc, ne te plains pas. Ne te plains pas. La Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Alléluia. Tu prends les clés. Tu prends les lois, tu prends les clés et tu appliques les lois. Tu appliques les clés. L'avantage avec les lois, avec les clés, avec les principes, c'est que le principe, la clé, ne regarde pas ton background. Le principe fonctionne à partir du moment où tu l'appliques. La clé ouvre la porte à partir du moment où tu l'introduis dans la porte et tu la tournes. Quel que soit ton nom de famille, que ton nom de famille soit connu ou pas, quelle que soit ta taille,
quel que soit ton poids, quelle que soit la couleur de ta peau, quand tu appliques le principe, ça marche. Quel que soit ton passé, oui, mais moi, je suis né dans le plus petit village du plus petit pays, du plus petit continent. Mais mon ami, si tu utilises la clé va t'ouvrir la plus grande porte du plus grand village du plus grand continent, si c'est ça que tu veux. Alléluia. Dis à un voisin, on dirait que c'est à toi qu'il parle, là. Alléluia. Dans tous les cas, nous avançons et nous allons de gloire en gloire. Et nous voulons y aller tous ensemble. On ne veut pas laisser des gens derrière. Non, on veut pas. On veut y aller tous ensemble. Donc parfois, c'est frustrant quand on prépare des choses pour que tout le monde avance et puis il y a toujours des gens qui ne comprennent pas. Tu sais, si tu avais la solution, toi, hein, si tu avais la solution, tu ne serais pas dans la galère. Je n'ai pas dit la galère, j'ai dit la galère. Tu vois, tu ne serais pas là. Tu crois tout connaître, tout que toi, moi. Non. Écoute Dieu. Dieu est Dieu et toi, tais-toi. Oui. Mm-hmm. Que quelqu'un les amène à ça. Dis à un voisin, il te faut l'onction. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Ton voisin a besoin d'être bousculé. Dis-lui, toi, il te faut l'onction. Alléluia. Amen. Et donc, il y a 2 semaines, nous avons commencé à voir à quoi sert l'onction. À quoi sert l'onction? Nous sommes toujours dans notre sous-thème qui consiste donc à marcher par l'esprit, mais nous sommes en train de voir quelles sont les quatre étapes de notre relation avec le Saint-Esprit. La première étape, c'est naître de nouveau, encore naître de l'Esprit. Et ensuite, lorsque tu es né de l'Esprit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire quoi? Tu dois chercher à être rempli par le Saint-Esprit, par l'Esprit. Ce qui t'amène à la troisième étape, c'est-à-dire être conduit par l'Esprit. Et ensuite, c'est ce que nous sommes en train de voir, tu dois être revêtu de l'Esprit. Alléluia. Et nous avons expliqué, il y a quelques semaines, que le revêtement, c'est ce qu'on peut appeler l'onction. Dis avec moi, l'onction. Et nous avons expliqué ce qu'est l'onction. L'onction, c'est un revêtement. On a dit que l'onction, c'est d'abord une personne. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. On a dit que l'onction, c'est un revêtement invisible. On a dit que l'onction, c'était une capacité surnaturelle qui te rend capable de faire les choses que tu ne peux pas faire, que tu ne peux pas réaliser avec tes propres forces et avec tes propres compétences. Que quelqu'un les amène à ça. L'onction, frères et sœurs, sert à exécuter, elle sert à mener une mission divine spécifique. Une mission qui a été ordonnée, une mission qui a été commandée par Dieu lui-même et que tu es supposé mener à bien. Alléluia. L'onction représente une ressource utile que Dieu te donne pour accomplir la mission qu'il t'a confiée. Une mission que tu ne peux pas mener à bien avec tes propres forces et avec tes propres capacités naturelles. L'onction, nous avons dit, vient à ton secours face à des exigences qui dépassent tes capacités physiques. L'onction prend le relais face à des exigences qui vont au-delà de tes capacités spirituelles et de tes capacités intellectuelles. Alléluia. Dans Luc chapitre 4, verset 18 au verset 19, Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour. » Et ensuite, il décline, il décrit pourquoi le Père l'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ainsi, Jésus parle de l'onction comme étant un revêtement surnaturel qui l'a rendu capable de faire toutes les choses que Dieu lui a demandé de faire. Et il dit ça dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19, alors qu'il a il a à peu près 30 ans. Et c'est à ce moment-là que son ministère public commence. C'est à ce moment-là qu'il commence à faire des miracles. Avant ça, avant l'onction, avant le revêtement du Saint-Esprit, Jésus n'a pas pu opérer dans la mission qui lui avait été confiée par le Père. Oui ou non? Il lui a fallu l'onction.
Et toi aussi, mon frère, ma sœur, il te faut l'onction. Alléluia. L'onction, c'est pour une mission. Dieu ne te donne pas son onction en vain. Dieu ne te donne pas son onction pour rien. Dieu donne l'onction pour nous permettre d'atteindre un but. Dieu nous donne son onction pour nous permettre d'atteindre un objectif précis. C'est la raison pour laquelle, lorsque le verbe dans la Bible, lorsque le verbe oindre, lorsque le verbe oindre est utilisé dans la Bible, vous verrez qu'il est associé au mot pour. Vous verrez, il a été oint pour. Je l'ai oint pour. David a été oint pour. Alléluia. C'est toujours pour un but. On est toujours oint pour un but. Alléluia. Et nous avons vu, donc nous avons commencé à voir, il y a 2 semaines, c'était le titre du message, et donc aujourd'hui ça va être la suite, c'est le même titre sauf que c'est la suite. Nous avons commencé à voir 10 choses que l'onction permet de faire. Ou encore 10 choses que l'onction permet de réaliser. La première chose, c'est un rappel, la première chose, nous avons vu que l'onction sert à enseigner toutes choses. Dis-moi amen. L'onction de Dieu sert d'abord à enseigner toutes choses. Et nous sommes en train de réaliser au fur et à mesure que nous avançons, nous sommes en train de réaliser que l'onction, ce n'est pas uniquement la puissance, ce n'est pas uniquement une puissance pour guérir les malades, une puissance pour chasser les démons. Ça fait partie de l'onction, que quelqu'un les amène à ça. Mais on ne peut pas limiter l'onction uniquement à ça. Alléluia. Parce que sinon, quelqu'un pourrait imaginer que finalement, Dieu ne l'a pas spécialement oint, alors que tu as été oint. Tu as été oint, dis-moi amen. Tu as été oint. Alléluia. Sauf que l'épaisseur de ton revêtement n'est pas encore suffisante pour te permettre de faire exactement ce que Dieu avait prévu que tu fasses. Mais tu as été oint. Dieu a un voisin, tu es oint toi. Alléluia. Tu es oint. Alléluia. Et certains, au milieu de nous, ne manifestent pas l'onction qu'ils ont reçue. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas l'onction. Ils pensent que l'onction, c'est « je te touche, tu tombes ». Et donc, lui, quand il te serre la main, tu ne tombes pas, il te dit « bon, moi, je n'ai pas l'onction ». Dis à ton voisin, rassure-toi, tu es oint pour quelque chose. Regarde une sœur à côté de toi, dis-lui, je vois une femme ointe. Ma sœur, ce n'est pas la peine de faire. C'est pas la peine de faire. Ce qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit sur toi, ce n'est pas toi. Alléluia. Hein, toi, maintenant, c'est d'orgueil. C'est moi. Non, non. Alléluia. Première chose, donc, l'onction sert à enseigner. Et l'onction sert à enseigner toutes choses. Toutes choses. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Alléluia. Un peu plus loin, 7 versets après, au verset 27, donc, l'apôtre Jean continue, il dit, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, dis avec moi toutes choses. » Et là, il faut souligner, parce que ça c'est quelque chose de remarquable. On n'a pas dit que l'onction de Dieu va t'enseigner uniquement les choses qui sont directement liées à la vie spirituelle, à la Bible. Il dit que l'onction de Dieu est capable de t'enseigner toutes choses. Ah, dis avec moi, merci Seigneur. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Que quelqu'un dise amen à ça. Alléluia. Et nous avons donc expliqué que l'onction sert à enseigner toutes choses. L'onction sert à enseigner toutes choses. Donc, pas uniquement les choses de la Bible, mais au-delà des choses de la Bible, l'onction sert à enseigner les choses de la vie, les choses de ta vie, les mystères de la vie, les choses qui te permettent d'avoir sur la terre la vie épanouie et agréable que Dieu veut que tu vives. Tu es étudiant, par exemple, il te faut l'onction. Tu es étudiant, il te faut l'onction. Il te faut l'onction parce que l'onction enseigne. Il te faut l'onction qui enseigne les matières d'homme que tu apprends à l'école. Oui, oui.
Ah bon? L'onction aussi sert à ça? Oui. Oui. Quand tu vas à l'école, quand tu rentres en classe, demande au Seigneur, Seigneur, oins-moi. Oins-moi. Parce que ce professeur-là, quand il parle, on ne comprend rien. Il n'en comprend rien. Mais la Bible dit que ton onction enseigne toutes choses. Donc, ce que lui ne sait pas enseigner, Seigneur, enseigne-le-moi. Alléluia. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on n'est pas mené à faire ce genre de prière parce qu'on se dit que de toute façon, c'est le professeur qui a fait les études, c'est lui qui sait ce qu'il faut dire. Le Saint-Esprit est celui qui connaît toutes choses. Alléluia. Il peut même te faire aller plus loin que le professeur. Il suffit de demander. Alléluia. Tu es professionnel. Tu es professionnel, tu travailles, tu es professionnel. Il te faut l'onction à toi aussi. J'ai dit, il te faut l'onction. Il te faut l'onction qui enseigne les spécificités de ton métier. Oui, oui. Il te faut cette onction. Dieu a donné l'onction des spécificités de leur métier à Betsaléel et à Oliab. Oui ou non? Oui ou non? Dans Exode. Oui ou non? Pourquoi on n'a pas pris? Pourquoi on n'a pas pris? Est-ce que dans tout, là où ils étaient, dans toute la région, il y avait personne qui pouvait bâtir, construire le tabernacle et puis préparer les ustensiles? Il y avait personne capable de faire ça? Il y avait plusieurs personnes qui étaient compétentes pour le faire. Mais personne n'était comme Betsaléel et Oholiab. Pourquoi? Parce que Dieu a mis sur eux une onction particulière dans ce métier-là. Dis à un voisin, toi, il te faut l'onction. Dis-lui, tu ne travailles pas assez sous l'onction, toi. Eh oui. Dis-lui ça pour le bousculer un peu. Parce que, tu vois, il va au travail juste pour aller au travail. Bon, je vais au travail. Je vais au travail. Bon, c'est mon poste. Oui, c'est mon bureau. Hein. Voilà, je vais au travail. Ça, c'est mon poste. Ça, c'est ma mission. Ça, c'est OK, c'est bien. Tu fais ça, mais tu le fais comment? Tu le fais comme tes collègues? Tu le fais comme tes voisins? Tu dois le faire sous l'onction. Et il y a forcément une onction pour ça. Je te dis, il faut que tu réalises, il y a forcément une onction pour ça. Pour ce que tu fais, il y a forcément une onction. Tu soignes les malades, mon ami, là on ouvre même la Bible directement, on te dit qu'il y a une onction pour guérir les malades. Amen. Même si tu ne guéris pas les malades, toi tu guéris les ordinateurs malades. Il y a une onction aussi pour ça. Je dis, il y a une onction aussi pour ça. Alléluia. Il y a une onction. On doit voir la différence entre quelqu'un qui agit sous l'onction et quelqu'un qui n'agit pas sous l'onction. Tu es conseillère sociale, conseillère conjugale. Quand tu parles, on doit sentir qu'il y a l'onction. Tu es enseignant. Tu dois être un enseignant qui parle sous l'onction. Non, tourne-toi vers un voisin. Dis-lui, en tout cas, toi, il te faut l'onction. On doit voir la différence. Pensez-vous que David avait manifesté plusieurs formes d'onction. Plusieurs formes d'onction. Pas juste l'onction de roi. Plusieurs formes d'onction. Toi, tu peux aller au zoo et puis te mettre devant un ours et puis dire, ours, toi, viens ici. Tu peux faire ça, toi? Enfin, tu peux le faire, mais sauf que la suite est une autre histoire. Vous pensez que, regardez, vous pensez qu'on prend n'importe qui, on prend n'importe qui parce qu'il a un instrument de musique à la maison et puis on l'amène devant le roi? Vous pensez qu'on prend, toi, qui a une guitare à la maison? Moi, allez, viens, tu vas jouer devant le roi. Jamais. Et pourtant, c'est David qu'on a pris, on est parti, on allait le chercher là-bas, là où il habitait pour venir jouer pour le roi, quand le roi était attaqué par toutes sortes d'esprits impurs. Oui ou non? Et vous pensez qu'on prend quelqu'un qui n'a pas une onction particulière pour ça? Quelqu'un me suit ou pas? Alléluia. Dans ce que tu fais, il faut que tu le fasses avec l'onction. L'onction, ce n'est pas juste la puissance. Le premier rôle de l'onction, c'est que l'onction sert à enseigner toutes choses. Alléluia. Pour quelqu'un, pour un professionnel dans cette salle, toi, il te faut une onction d'organisation. Oui,
Parce que on t'a confié l'organisation de plusieurs services, des choses compliquées. Il te faut une onction. C'est bien de revoir tes cours et tout ça, c'est bien. Mais tu sais, dans toutes les entreprises, les gens à qui on confie l'organisation aussi, ils ont fait des cours, hein, mais pourtant, il y a des entreprises qui ferment. Il te faut une onction d'organisation. Si ça te concerne, dis-moi amen. Amen. Pour quelqu'un d'autre, tu es professionnel, toi, il te faut l'onction d'encadrement des équipes. Oui, oui. Il te faut une onction spéciale pour encadrer les équipes. Si ça te concerne, dis-moi amen. Amen. Alléluia. Je vais même plus loin. Tu es marié, il te faut l'onction. Amen. J'ai dit, tu es marié, il te faut l'onction. J'ai dit, il te faut l'onction. Il te faut l'onction qui enseigne comment tu dois te comporter dans ton couple vis-à-vis de ton conjoint. Il te faut cette onction-là, l'onction qui enseigne comment faire. Oui, il te faut l'onction. Parce que tu as vu un livre, toi tu as trouvé un livre, hein, un livre, un best-seller mondialement connu, un best-seller qui dit comment, il t'explique tout. Hein, il t'explique tout, comment réussir son mariage. Tu as vu ça quelque part? Tu as vu ça quelque part? Dis à un voisin, donc il te faut l'onction. Il te faut l'onction. Tu vas voir des livres, comment réussir, voilà, les trucs. Bon, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce que ton cas là, il est spécifique. Mais combien d'époux, combien d'épouses prient comme ça en disant, Seigneur, il me faut l'onction. Tu as dit que par ton onction, tu m'enseignes toutes choses. Dans ce cas là, il me faut l'onction, Seigneur. Alléluia. Que quelqu'un dise merci, Père. Deuxième chose que nous avons vu, c'est que l'onction permet de détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Par l'esprit de force, l'onction permet de détruire les œuvres des ténèbres. Ça, en tout cas, c'est une des caractéristiques principales de l'onction. On est d'accord. Alléluia. Amen. Jésus a dit, dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, il a dit, « Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Alléluia. Afin de détruire les œuvres du diable. Et il a commencé à le faire quand? Il a commencé à le faire à partir du moment où il a été oint. Alléluia. L'onction permet de détruire les œuvres des ténèbres. Et il nous faut détruire les œuvres des ténèbres. Nous avons été oint pour détruire les œuvres des ténèbres. Dis à un voisin, tu es oint pour détruire les œuvres des ténèbres. Dis-lui, je répète encore, tu es oint pour détruire les œuvres des ténèbres. Pas pour subir les œuvres des ténèbres. Il n'y a pas une onction pour subir les œuvres des ténèbres. Il y a une onction pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Troisième chose. Donc j'avance là. Troisième chose. L'onction permet de prêcher l'évangile avec puissance et avec autorité. Ton amen est trop petit. Alléluia. Dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus commence en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il y a une onction pour annoncer, pour prêcher l'Évangile. Alléluia. Au verset 32, toujours du chapitre 4, il dit, on dit que les contemporains de Jésus étaient frappés par sa doctrine car il parlait avec autorité. Alléluia. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 19, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, priez pour moi. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment, c'est-à-dire avec hardiesse. Amen. De faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Il dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné. Donné par qui? Donné par qui, à votre avis? Par le Saint-Esprit, bien sûr. Et par quel moyen? Par quel moyen? Par le moyen de l'onction. Dis-moi amen. Alléluia. C'est pourquoi, parfois, vous voyez des prédicateurs, vous les voyez au quotidien, quand vous les voyez au quotidien, vous constatez qu'en en fait, ils sont tout à fait, normaux. Ils sont tout à fait normaux, monsieur, madame, tout le monde. Mais quand l'onction les saisit, là, quand l'onction les saisit sur le pupitre, sur l'estrade, vous avez l'impression de voir et d'écouter une autre personne. Oui ou non? Oui ou non? Alors qu'en fait, c'est la même personne. Mais la différence, c'est que l'onction est venue sur lui. L'onction est venue sur elle et l'a saisie. Alléluia. Quand tu sais que tu dois parler de l'évangile de Jésus-Christ à un ami, et tu dois le faire d'ailleurs, dis-moi amen.
quand tu sais que tu dois parler, tu vas être amené aujourd'hui, demain, à parler de l'évangile de Jésus-Christ à un ami, à un collègue ou à un membre de ta famille. Tu dois au préalable prier pour que Dieu te donne l'onction. Pour que Dieu te donne l'onction qui permet d'annoncer la bonne nouvelle du royaume avec foi et avec hardiesse. Tu dois le demander. Tu dois lui demander. Alléluia. Est-ce que tu pars vers ton collègue, vers ta collègue. Comment dire? Tu sais que Dieu existe? Hein? Non, rien, j'ai rien dit. Alors que le collègue te demande toujours, mais toi, tu le dimanche, tu fais quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais le dimanche? Tu fais quoi? Tu fais du sport? Tu fais du qu'est-ce que tu fais? Oui, je fais du sport. Ce qui n'est pas faux, mais dis quand même toute la vérité. Parce que quand tu célèbres, oui, je te célèbre. Ou bien quand tu fais du sport quand même. Hein? Tu fais quoi le dimanche? Tu vas à des concerts? Oui, je vais à un concert. Oui. Parce que quand j'adore, c'est quand même assez. Oui, mais dis toute la vérité. Dis, je vais à l'église. Ah bon, tu vas à l'église? Oui. Tu n'y vas pas, toi? Non. Mais comment tu vis sans église? C'est comme ça qu'il faut secouer les gens. Hein? Parce qu'ils te posent la question, mais comment tu fais pour... Toi, tu vas à l'église? Mais il y a quoi à l'église? Toi, tu dois poser la question, comment? Toi, tu vis sans Dieu? Hein? Tu es sérieux? Et puis, tu touches son front. C'est comme ça. Mon ami, il ne faut pas se laisser intimider. Parce que c'est toi qui as la vérité, ce n'est pas lui qui a la vérité. Alléluia. Hein? Après, toi, quand ils disent, les collègues là, bon, ils aiment se moquer. Hein? Dès qu'ils savent que tu es chrétien, hein? Toi, quoi? GI, c'est quoi GI? Non, c'est un groupe d'impact. C'est un groupe d'impact. Ah, donc tu es pasteur. Bonjour, pasteur. Hein? Ils font ça pour se moquer, toi aussi. La Bible dit qu'il faut parfois répondre à l'insensé selon sa folie. Tu vois, non? Hein? Alléluia. Réponds. Mais pour ça, mon ami, il te faut l'onction. Sinon, ils vont t'écraser au boulot. Ils vont t'écraser. Ils vont te piétiner. Ils arrivent. Oh, la chrétienne est arrivée. La chrétienne. Oh, le chrétien. Ah, le chrétien, pardon. Et là, dans la place. Alors, que dit la Bible aujourd'hui? Mon ami, hein? Non, il faut l'onction. Non. En tout cas, moi, je ne me laissais pas faire. Je ne me laissais pas faire. Une fois, à l'époque, la première entreprise où je travaillais, il y avait un collègue là, on ne sait pas quel esprit. Non, mais des gens, hein? Ah non. Jésus-Christ, fin de fruits. Et puis commence à envoyer des mails, hein, au groupe. Alors des blagues sur le Saint-Esprit et sur Jésus. Le Père, Dieu le Père. Et moi j'ai simplement répondu. Je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai répondu. Mais j'ai répondu quelque chose du genre, en tout cas. Si tu veux blasphémer contre le Fils, blasphème contre le Fils. Tu veux blasphémer contre Dieu, blasphème contre Dieu. Mais blasphémer contre le Saint-Esprit, en tout cas. Je ne sais plus avec quel mot j'ai fait. Le gars s'est déplacé. Il est venu me voir pour dire, je demande pardon. Moi, j'ai dit, dis à un voisin, il te faut l'onction. Il te faut l'onction pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Il te faut l'onction pour le faire. Parce qu'il y a des milieux, et tu les connais, il y a des milieux qui sont froids et qui sont fermés. Il te faut l'onction. Alléluia. Il te faut l'onction. Pourquoi faut-il que l'évangile soit prêché avec autorité? C'est parce que le voile d'incrédulité qui pèse sur le pays est lourd. Il est lourd. Et il faut une puissance divine pour le déchirer, afin que ceux qui sont aveuglés puissent voir la vérité et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia.
Il nous faut l'onction. Lorsque tu parles de Jésus-Christ à un collègue, lorsque tu parles de Jésus-Christ à un ami, lorsque tu parles de Jésus-Christ à un membre de ta famille, tu dois le faire avec zèle, en étant en feu, en étant sous l'onction. Alléluia. Tu sais que Dieu existe. Et quand tu es sous l'onction, le Saint-Esprit te donne exactement ce que tu dois dire. Il te donne exactement ce que tu dois dire. Mais il faut lui demander. Alléluia. Quatrième chose. L'onction permet de consoler. Et ça, c'est souvent méconnu. Mais l'onction permet de consoler les âmes abattues et de restaurer les cœurs brisés. L'onction, ce n'est pas juste la puissance. L'onction, ce n'est pas juste la démonstration de puissance. L'onction permet également de consoler les âmes abattues et de restaurer les cœurs brisés. En fait, l'onction permet de guérir des blessures émotionnelles. Jésus l'a clairement dit dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. C'est en fait un peu notre passage de référence. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. » Il m'a envoyé pour quoi ? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Saint-Esprit est le consolateur par excellence. Dis-moi amen. Le Saint-Esprit est le consolateur par excellence et donc son onction aussi console. Alléluia. Son onction aussi console. Dans Jean chapitre 14, verset 16, Jésus a dit, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je vous enverrai un autre consolateur. » Mon frère, ma sœur, parfois lorsqu'une personne que tu aimes, que tu apprécies, est profondément affligée, éprouvée, plongée dans un désarroi total, parce qu'elle a perdu un être cher, ou parce qu'elle a, elle a vécu, elle a appris une nouvelle terrible, ou bien elle vit une situation très compliquée. Parfois, tu ne sais même pas quoi lui dire, oui ou non. Oui ou non, dis la vérité, oui ou non. Tu hésites même à appeler parce que tu sens que un simple « que Dieu te bénisse, ça va aller », ça n'ira pas. Oui ou non ? Alléluia. Ça arrive, n'est-ce pas ? Mais quand l'onction de consolation, l'onction qui console les âmes abattues, l'onction qui restaure les cœurs brisés, quand cette onction te saisit là, tu es inspiré à prononcer des mots, à dire des phrases qui apaisent vraiment. Qui apaisent vraiment, pourquoi ? Parce qu'elles te sont directement inspirées par Dieu, par son onction. Des phrases qui restaurent, des mots qui consolent réellement la personne qui les entend. Ça aussi, c'est l'œuvre de l'onction. Et je crois, j'ai envie de dire, je sais. Mais en fait, dans la foi, on ne sait pas, on croit. Alléluia. Quelqu'un me suit ou pas là-dessus ? On ne dit pas « je sais que Dieu existe ». En fait, tu le sais, mais en fait, tu crois. C'est plus tu crois. La foi, c'est « je crois ». Je crois. Alléluia. Donc, je crois qu'au milieu de nous, là, il y a plusieurs personnes. Vous avez reçu ce dépôt-là, cette onction. Une onction de consolation, une onction. Lorsque vous parlez et lorsque vous êtes sous cette onction-là, sous le manteau de cette onction, en tout cas, vos paroles apaisent. Vos paroles apaisent. Vos paroles font du bien. Elles touchent, elles restaurent en profondeur l'âme des personnes qui vous écoutent. Et il y a plusieurs personnes ici dans cette salle qui ont cette onction-là. Mais sauf qu'en fait, vous ne réalisez pas que vous l'avez. Mais je dis que vous l'avez au nom de Jésus. Alléluia. Vous l'avez. Mais il faut qu'elle soit manifestée.
Vous avez des amis, vous avez des collègues, vous avez des voisins qui ont besoin d'être exposés à cette onction que vous avez. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas là pour rien. Chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Jésus a dit, moi, j'ai été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, j'ai été oint pour libérer les opprimés, etc. Mais chacun de nous a été oint pour quelque chose. Et cette onction dont je parle, cette onction spécifique, il y a plusieurs personnes dans cette salle, vous l'avez. Bientôt on va parler de comment recevoir et augmenter, comment augmenter l'onction sur notre vie. Comment préserver aussi l'onction? Comment augmenter l'onction? Comment préserver l'onction? Et on parlera également des dangers de l'onction. Parce que l'onction, c'est aussi dangereux. Et ce que Dieu a mis en vous, ce que Dieu a mis sur vous, vous devez le déployer, le manifester pour le bien des autres. Parce que rappelez-vous ce qu'on a dit, l'onction, à la différence, oui, la quatrième étape de notre relation avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, à savoir le revêtement, l'onction. L'onction, c'est moins pour vous que pour les autres. Les trois premières étapes, ça vous concerne, ça nous concerne de manière personnelle. Mais l'onction, c'est pour aider les autres. L'onction, c'est pour aider les autres. Quand Jésus parle dans Luc chapitre 4, verset 18, quand il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », il ne dit pas « Il est sur moi pour que je sois ceci, pour que je sois cela, pour que j'ai ceci, pour que j'ai cela ». Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs ». L'onction que tu as doit être déployée, manifestée pour les autres. Tu ne peux pas garder ça uniquement pour toi. Ma sœur, tu es une femme ointe. Et je prie que tu sois encore plus ointe jour après jour, semaine après semaine. Et que tu déploies ce que Dieu a placé en toi. Mon frère, ne te sous-estime pas. Tu es un homme oint. Tu es un homme oint, j'ai dit. Réalise-le. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là juste pour aller transporter des cartons au boulot ou pour aller conduire des taxis ou pour aller réparer des ordinateurs. Ce n'est pas mauvais de faire ça. Je n'ai pas dit le contraire. Ce n'est pas mauvais. Mais ta destinée est plus que ça. Il te faut l'onction. Dis ça à un voisin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Cinquième chose, l'onction permet de briser les jougs, de délivrer et de libérer ceux qui sont sous l'emprise du diable. Ça, c'est également ce que l'onction fait. Quand on me dit ça, on parle de chasser les démons, on parle de briser les liens démoniaques, les liens héréditaires. Tout ça là, c'est faisable grâce à l'onction. Jésus a dit, Luc chapitre 4, à la fin du verset 18, il commence par dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint » et il dit « Il m'a oint pour proclamer aux captifs quoi ?» La délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés. Il y a une onction. L'onction brise les jougs. L'onction délivre. L'onction libère. Dans Ézéchiel 34, au verset 27, regardez ce que la Bible dit ici. Ézéchiel 34, verset 27. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leur joug. Je briserai les liens de leur joug et je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Dis à un voisin, l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Et là, on parle de quoi ? On parle de l'esprit de force. Ou encore l'esprit de puissance. L'esprit de démonstration de la puissance de Dieu. L'onction brise les jougs. L'onction ne fait pas uniquement que de briser les jougs, mais elle brise les jougs. Alléluia. Elle brise les jougs. Et je crois que chacun de nous, peut-être que ce n'est pas au même niveau. Peut-être que ce n'est pas au même niveau. De toute façon, tout le monde est en construction, tout le monde avance par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais chacun de nous a reçu une part de cette onction qui brise le joug là. Oui, oui. Parce que partout où tu es,
partout, dans tous les environnements où Dieu te permet d'être, où Dieu te place, forcément, il y a des jougs que tu dois briser. Oui, forcément, il y a des jougs que tu dois briser. Il y a des jougs. Et tu ne dois plus hésiter à utiliser l'autorité, l'onction que Dieu a mis sur toi. Alléluia. Tu ne dois plus hésiter. Quand je parle de ça, je parle de dans ton lieu de travail, sur ton lieu de travail, là où tu étudies. Tu ne dois plus hésiter. Je dis, tu ne dois plus hésiter. Je ne dis pas que tu vas rentrer dans le bureau du directeur et puis tu lui imposes les mains au nom de Jésus. Je ne dis pas nécessairement de faire ça. Mais tu vois dans ton travail, dans ton service, à l'école, tu vois, tu connais tes collègues quand tu discutes avec eux. Tu vois ce qui les assiège. Tu vois ce qui tourmente leur âme. Tu vois ce qui attaque leur corps. Oui ou non? Tu le vois. Il faut arrêter d'être des chrétiens qui s'arrêtent juste à compatir, et parfois ils ne le font même pas, mais qui s'arrêtent juste à compatir à la douleur de leurs collègues de travail. Ta collègue de travail, elle travaille à 2 mètres de toi. Tous les jours, tu le vois. Tous les jours, tu la vois. Tu connais ses difficultés. Tu connais ses problèmes. Tu connais ses challenges. Tu sais discerner qu'elle est attaquée par tel esprit ou qu'elle est tenue par tel ou tel lien. Alléluia! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas obligé de faire ça devant la personne. Tu n'es pas obligé de faire ça devant la personne. Mais avant que la personne arrive, ou même à la maison, prends du temps pour briser les chaînes, pour briser les liens qui sont sur la vie de cette personne. Parce que quelque part, si Dieu t'a placé là, c'est pour un objectif. Et laisse-moi te dire une chose, parce que je sens que quelqu'un doit l'entendre. Laisse-moi te dire une chose, ça ne vient pas de la chair, ça vient de Dieu. Il y a des choses que tu veux faire. Il y a quelqu'un dans cette salle, je ne sais pas s'il y a plusieurs, mais il y a au moins une personne. Cette parole te concerne. Tu veux quitter, tu veux changer d'entreprise. Tu as essayé de changer, mais tout ce que tu essaies de faire, ça ne marche pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des jougs, il y a des liens que tu n'as pas coupés là où tu es là maintenant. Il y a des gens dans l'entreprise où tu travailles, Dieu attend d'abord que tu les libères et ensuite lui va te libérer. Et ça, je parle à quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais à quelqu'un. Tu envoies des CV partout, tu veux changer, ça, et ça ne marche pas. C'est pas, en fait, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ce n'est pas par tes efforts que ça va marcher. Dieu attend d'abord. Il y a quelqu'un, il y a des personnes, il y a quelqu'un là où tu travailles qui a besoin d'abord d'être libéré des jougs. Prie pour cette personne, libère-la de ses jougs et tu verras que ce que tu souhaites là, Dieu va ouvrir les portes. Amen. Je ferme la parenthèse. Alléluia. L'onction brise les jougs. Elle brise les jougs. Sixième chose, et je vais m'arrêter avec ça. Sixième chose que l'onction fait. L'onction permet de guérir les malades. Ça, on le sait, mais il faut le dire quand même, que quelqu'un les amène. L'onction permet de guérir les malades. Jésus a dit, Luc 4, à la fin du verset 18, il dit, « J'ai été oint pour annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue. » Amen. Dans Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. » Que quelqu'un les amène à ça. « Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Donc oui, c'est vrai, l'onction est là aussi pour guérir. Elle est là pour guérir les malades. Elle est là pour guérir les blessures émotionnelles, pour restaurer les cœurs brisés, mais elle est là aussi pour guérir les corps malades, les corps qui ont été attaqués, qui sont attaqués par la maladie, qui sont attaqués par les virus, qui sont attaqués par toutes sortes de calamités. L'onction permet de guérir les malades. Que quelqu'un dise amen à ça. Alléluia. Et dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18, Jésus énumère les différentes choses qui vont accompagner ceux qui auront cru en lui. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc dis à un voisin, ces miracles-là doivent t'accompagner. Amen.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Bon, quand Jésus dit « ils saisiront des serpents », il y a toujours des chrétiens déséquilibrés. Tu ne vas pas aller aux eaux pour aller saisir un serpent ? Il est en train d'expliquer qu'il y a des circonstances où tu seras amené à saisir les serpents. Amen ? Pas à fuir devant les serpents, à saisir les serpents. Ils ne pourront pas te détruire. Il y a des gens, dès qu'ils entendent ça, allez, ils vont directement. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Là encore, quand Jésus dit ça, il n'est pas en train de dire que tu vas aller voir tes ennemis pour dire, allez, mettez du poison, mettez, allez, tu veux me tuer, mets du poison, vas-y. Puis allez, cul sec, tu vas aller. Et puis tu es là, tu dis, il ne m'arrivera rien. Mon ami, tu vas mourir comme ça, tu vois. La Bible dit qu'on ne tente pas Dieu. Amen. On ne tente pas Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la puissance de l'action de grâce, alléluia, par la puissance de l'action de grâce et l'onction qui est sur ta vie, si quelqu'un, hein, parce que si tu sais qu'on a mis du poison, toi aussi, ne bois pas. Oui ou non, qui est fou? Hein? Mais si quelqu'un, toi tu ne sais pas, quelqu'un a mis du poison, mais par la puissance de l'action de grâce et par l'onction qui est sur toi, quand tu vas boire, ils vont attendre ta mort, tu vas sourire. Et tu ne comprendras pas pourquoi ils te regardent. Ils vont se dire, non, il est spécial ou elle est spéciale. Amen. En fait, c'est ça que la Bible, que Jésus est en train de dire. Il n'est pas en train de dire, tu vas aller prendre du poison et puis tu vas, tiens, je vais tester si la parole de Dieu est vraie. Tiens, je vais aller à la pharmacie. Est-ce que je peux avoir du poison, s'il vous plaît? Et puis je vais tester, tiens. Et on va tester. Il n'y a pas d'expérience comme ça. Amen. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il ne faut pas être un chrétien déséquilibré. Il y a des chrétiens vraiment, je constate qu'il y a des chrétiens qui sont vraiment déséquilibrés. Vraiment. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils, c'est ça qui m'intéresse, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. À qui? À ceux qui auront cru en mon nom. Amen. Et c'est par le biais de l'onction que cela est rendu possible. Que quelqu'un dise amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. En fait, il y a des circonstances, mon frère, ma sœur, où Dieu t'envoie. Il y a des circonstances où Dieu t'envoie, où tu dois sentir. Tu es invité dans une maison. Ça peut être la maison de ton oncle, de ta tante, ou je n'ai pas un ami. Tu sens que le Seigneur te pousse à poser un acte de foi et à demander à ces personnes-là, je vois la situation, je vois votre situation, je vois les dégâts de la maladie dans votre corps, est-ce que vous me permettez de prier pour vous? Papa, est-ce que tu me permets de prier pour toi? Même si tu sais que c'est un... Tu vas visiter une amie, tu vois sa maman qui est là, elle est là à côté, sur le canapé, tu sens qu'elle de la souffrance, des gémissements, mais tu ne peux pas partir comme ça en étant heureux ou heureuse. Propose juste. Dis-leur simplement, moi je crois que Dieu peut vous guérir. Est-ce que vous acceptez que je prie pour vous? Je ne suis pas un médecin. Je n'ai pas fait médecine, mais j'ai vu Dieu agir dans des cas tels que le vôtre. J'ai entendu des témoignages de frères et de sœurs qui ont été guéris. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous acceptez que je prie pour vous? Et la plupart du temps, les personnes vont dire oui. Et ensuite... Ce n'est pas la peine de paniquer, de dire « Mais s'il n'est pas guéri, on risque de me chasser, tout ça. Hein? » Quand c'est comme ça, il faut dire hein? « Il vous sera fait selon votre foi. » Tu peux dire ça comme ça, tu vois, tu te... Hein? Et je crois que quand vous priez pour des gens comme ça qui n'ont peut-être
pas entendu, qui n'ont pas l'habitude de venir à l'église, qui n'ont pas entendu vraiment parler du Seigneur comme nous l'entendons, hein? Eh bien, je pense que c'est... Parce que tout est d'abord une histoire de foi. Hein? Donc, avant de prier... Et puis bon, quand vous priez, il ne faut pas venir avec un air bizarre. Hein? Chaka, remababababa. Regarde-moi, chaka. Quand vous commencez, commencez d'abord, donnez un exemple biblique. Vous n'êtes pas obligé de lire la Bible, mais donnez un exemple ou deux. Donnez des situations, des témoignages d'un frère ou d'une sœur, hein, qui est passé par la même épreuve, par la même maladie. Donnez. Et quand vous parlez à cette personne, vous dites, par exemple, vous dites, votre cas me fait penser à cette femme que Jésus a vue et qui avait tel problème. Et Jésus a prié pour elle. Elle a ouvert son cœur. Elle n'a pas laissé son âme être envahie par les paroles négatives de la vie, par les résultats négatifs des médecins. Mais elle a cru en Jésus et elle a été guérie. Et vous enchaînez avec un autre témoignage. Ça peut être un témoignage de la Bible ou un témoignage de quelqu'un que vous connaissez. Commencez comme ça. Vous donnez 2-3 témoignages juste pour commencer à préparer le cœur de la personne. Et ensuite, vous prenez les mains de la personne. Vous prenez les mains de la personne. Vous fermez les yeux avec cette personne. Et puis vous priez pour cette personne. Vous priez pour cette personne. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Seigneur, la Bible dit que partout où tu allais, quand tu trouvais la foi, les gens étaient guéris, délivrés d'esprits mauvais. Seigneur, tu es le même, tu n'as pas changé. Et tu as dit aussi dans ta parole, tu as dit que ceux qui croiront en mon nom feront de plus grandes choses que celles que j'ai faites. Seigneur, regarde cette personne. Si tu étais là, Jésus, si cette personne était là il y a 2000 ans, si tu l'avais croisée, Seigneur, n'aurais-tu pas eu compassion de cette personne? Seigneur, tu n'es pas là physiquement, mais à travers ma présence, tu es là. Parce que je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur, donc là où je suis, ta présence est là. Seigneur, étends ta main. Et tu pries par la foi. Tu pries par la foi. Et tu vas voir de grandes choses. Alléluia. Dis à un voisin, ne retiens pas l'onction. Dis-lui, l'onction, ce n'est pas pour toi. Merci Seigneur. Dis avec moi, j'ai l'onction. J'ai l'onction, j'ai l'onction. Seigneur, aide-moi. Répète après moi. Tu peux te lever si tu peux te lever. Dis Seigneur, merci pour l'onction. Aide-moi à manifester cette onction au moment opportun, afin que je sois une bénédiction pour ceux qui m'entourent, afin que je sois véritablement la lumière du monde et le sel de la terre. Je veux qu'à travers moi, ton onction sur moi brise les jougs. Qu'elle brise les jougs, qu'elle délivre les opprimés, qu'elle délivre les captifs, qu'elle guérisse les malades et qu'elle enseigne. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.